Voilà quelques jours que les aventuriers se sont réunis. Ils élaborent une stratégie visant à faire tomber les intendants. D'un côté avec le chef de l'église du sang, de l'autre en face les mercenaires qui font rempart. Ils sont arrivés maintenant à Mirage et s'apprêtent à rentrer dans les souterrains. Messieurs, vous êtes dans la pièce avec une demi-élémentaire de métal, ainsi qu'avec votre intermédiaire pour récupérer votre matériel, votre précieux matériel. Vous vous regardez les uns les autres, l'imposture commence à tomber. Dites-moi, qu'est-ce que vous faites avant les prochains mots de Josias ? Vous ne sortirez pas d'ici. C'est encore plus inquiétant. Non, pardon. Je dis tout le temps. Tant qu'on n'aura pas discuté, il voulait dire, bien évidemment. La demi-élémentaire de métal, elle, ne semble pas émettre la moindre inquiétude. De son côté, Josias, lui, se frotte les mains et vous regarde avec un certain enthousiasme. Ah, vous voilà, enfin, j'ai tellement de choses, et puis... Très bien, vous déshabillez-vous. Enfin, je veux dire, asseyez-vous. Mettez-vous à nu. Enfin, je veux dire, au sens figuré. Videz votre sac. Alors, il se retourne et se dit, mais vous connaissez Dame Signe ? Vous semblez assez familier avec elle. Non, on ne se connaît pas. Elle croise les bras à ce moment-là. Et j'aimerais savoir ce qui me vaut cet encerclement. Je vais enlever mon casque, moi. Boum. Et il fait, regardez-moi, et comprenez qu'il va se passer des choses dans cette ville, très bientôt. C'est à vous ensuite d'en tirer les profits et les bénéfices, en tant que marchande, bien entendu. Mm-hmm. Tu vas bien enlever ton casque, mais t'as les cheveux tout collés parce qu'il t'a transpiré ce casque. Mais en même temps, j'ai les cheveux collés aux écailles, j'ai les yeux jaunes, je ressemble absolument à rien, ça a au moins dû la surprendre. Ça a au moins dû la surprendre un peu, non ? Dites-moi, peut-être que ce que vous me direz m'intéressera, ou peut-être que je vous demanderai de vous écarter gentiment et de me laisser sortir. Si vous voulez sortir, il faudra nous passer sur le corps. Non. Et sur le mien. On va arrêter de la menacer 5 secondes, on essaie d'en faire une vraie alliée là, pour le coup. Peut-être que la personne qui pourrait le mieux nous renseigner, c'est Josias. Vous comprenez à quel point la situation est délicate. Est-ce qu'on peut faire confiance à cette personne ? C'est une noble et je fais affaire avec elle. Elle est très dure en affaires. J'ai beaucoup de respect pour elle. Après, vous savez, c'est la loi des affaires. Les contrats vont, viennent. J'ai envie de dire. Tourner un petit peu autour du pot. Vous savez qui nous sommes. Quelle est la situation ? Je vais vous demander un test de social pour essayer de discerner, de lire entre les lignes de son discours. Donc d'abord toi, Grandlec, parce que c'est toi qui as posé la question à Josias, puis après toi, Bob, parce que tu es l'élément le plus social du groupe. Donc vas-y, Grandlec. Alors vu que la situation est quand même un petit peu délicate et que ça fait un moment que j'oublie totalement que j'ai un avantage, je vais l'utiliser cette fois-ci. On va essayer, comme ça me fera 50% de chance. Attention, 38. J'aurais pu ne pas l'utiliser, parfait. Mais du coup comme ça je suis là. Ça fait partie de la chance. À toi, Bob. À moi. En espérant que je fasse pas d'échec critique, sinon si je fais un échec critique, c'est qu'elle porte un bustier et que je suis incapable d'en décoller mes doigts. Tes doigts 32. Parfait. Mon regard, je veux dire mon regard. Donc retirez s'il vous plaît, Théo et Shin, retire vos casques. Grandlec, Bob, clairement son discours consensuel et gêné révèle la chose suivante. Il ne sait pas si on doit lui accorder la confiance. C'est une bonne femme d'affaires. Et justement, par son discours, il faut comprendre qu'avant tout, ce sont les affaires qui intéressent Dame Signe. Et toute proportion gardée est absolument indissociable de tout élément d'intrigue, indissociable de toute moralité. Ce sont les affaires qui sont sa priorité. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire qu'elle est exactement au même niveau moral et ou social que la voleuse, jusqu'à les riches. Allez, c'est ça la c'est la même twist. Personne, ça c'est deux facettes d'une même personne. Remettez, exactement, remettez. C'est très cool, remettez. Alors, nous sommes en connexion mentale, voilà. Toujours. Allez. Et donc, il s'avère que, apparemment, la seule chose qui intéresse cette dame, ce sont les affaires. Pas l'aspect moral de ceci, pas l'aspect politique ou intrigue de ceci, mais bien que ce soit des outils qu'elle maîtrise et qu'elle connaisse, mais uniquement et purement le moyen pour elle de se faire plus de fric qu'avant. Je pensais qu'il y avait un exemple. Avec elle, désolé. Si t'étais riche, s'il y avait une chance que tu puisses séduire une femme aussi serpentard que ça, oui. Mais globalement, entre elle et la voleuse, de l'extérieur, la seule différence... C'est une capitaliste, quoi.
Voilà, la différence entre elle et la voleuse de l'extérieur, c'est le fait qu'elle est riche. Théo. Ok. Pendant là. Non, en tout pas. Du coup, c'est une demi-élémentaire de métal, quoi. De métal. J'aimerais mentalement demander aux autres qu'est-ce qui pourrait appâter une femme dont le boulot est principalement la marchandise de tout ce qui est minéraux et métaux précieux. Surtout une demi-élémentaire de métal, ça doit être son. Je suppose que la guilde des intendants, ils doivent avoir un paquet de pognon. Limite, elle peut récupérer l'argent qu'il y a dedans. Une fois qu'on aura tout pété. J'irai même plus loin, Théo. Vous pouvez éventuellement lui lâcher des précieuses informations pour anticiper cette forme d'explosion politique. Donc, qu'elle fasse un délai d'initié, il y a une bourse. Non, surtout, en fait, c'est que là où les voleurs, ce qu'ils ont gagné, bénéficiaient du chaos, c'est le fait qu'ils puissent piquer des télés dans des vitrines sans se faire trop emmerder par la marée chaussée, par justement les occuper à éteindre les incendies. Qu'est-ce qu'elle va récupérer? Elle va arracher des fils de cuivre des bâtiments qui sont en train de brûler. C'est peut-être ça. Est-ce qu'elle travaille dans la construction? Est-ce que l'un d'entre nous peut tenter. Entre l'information qu'on a donnée aux voleurs et l'information qu'on va lui donner à elle, on va repartir. Ouais, il est super secret, notre plan. Il y a juste manqué Théo. Attends. Voilà. Les deux s'accordent parce que ça se trouve, si elle bosse dans la reconstruction de la ville, nous, on est comme Superman, on est du pain béni pour elle. À chaque building qu'on tombe, elle, c'est des milliards qu'elle gagne. Elle bosse dans l'échange de matériaux, dans la transaction de. Dans l'échange de matériaux précieux, rares, de métaux précieux, c'est pas rien. Donc ça voudrait dire que, je sais pas, est-ce que... Est-ce que vous voulez pas tout simplement qu'on l'assomme et qu'on l'attache? Ça irait plus vite pour le même résultat. Non, je pense que déjà, ça peut être une alliée potentielle à plus long terme, même pour d'autres choses non négligeables. Donc je pense qu'avoir... De plus, faire un deal intéressant avec elle, c'est important. Mais bon... Wait. Donc voilà, moi je mettrai pas des billes sur nous, hein, donc... Wait. C'est la quatrième fois que moi je meurs. Oui, c'est vrai. J'ai une question politique à lui poser à cette dame. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Alors, je trouve qu'il a un bon sens moral. Elle pourrait nous construire un mur, effectivement. C'est ça. J'aime le style d'Ivanka, c'est la même bête. Alors, messieurs, dites-moi. Allez, on se focus. Okay. Dites-moi. Vite. Du coup, j'ai perdu ma question. Tu voulais poser des questions par rapport à son allié, par rapport au fait que elle. Non. Par rapport à sa position politique, dans le sens où on va. L'objectif, ça je le dis mentalement aux collègues, on va piquer les codex, ou les détruire, ou s'en servir, ou quoi que ce soit. Donc on va laisser un vide de pouvoir absolument immense. Oui. Il doit y avoir une guilde des marchands, il doit y avoir des marchands, et ces gens dirigent suffisamment déjà la ville dans l'ombre, parce que c'est ça quand t'es riche et puissant. Et est-ce qu'elle n'enverrait pas, elle, des opportunités pour augmenter, s'avancer, ou même se donner un titre de noblesse usurpée? J'irais même plus loin, les amis. En méta, on arrive à un croisement où vous avez des éléments importants, vous avez des informations, vous êtes en train d'influencer vous-même le cours de l'histoire. Et un peu comme dans ces jeux vidéo, vous savez, où vous devez faire des choix qui vont influencer certains partis, qui vont leur permettre de pouvoir grossir, diminuer, ou tout simplement continuer à leur état. Là, ce que vous avez fait en livrant l'information à la voleuse, à la guilde des voleurs, c'est de leur permettre de pouvoir piller dans une certaine mesure. Donc, vous avez gonflé d'une certaine manière quoi, cette guilde. Là, d'un point de vue, c'est pas une guilde de marchands, c'est une famille de marchands. S'ils le font. C'est une famille de marchands. Vous avez la possibilité d'influencer le cours de l'évolution de cette famille marchande. Donc, comme l'a dit Grunlake, ça va probablement influer sur l'avenir. Ou vous avez tout simplement C'est pas comme si elle avait des jours pour se préparer et pour acheter des trucs. Non, mais elle, c'est une marchande. Elle réagit en conséquence. Comme je te l'ai dit, un bâtisseur, ça ne construit pas les bâtiments avant qu'ils soient détruits par Superman. Ça propose de les réparer une fois que la ville est en ruine. Contre un coup. Je suis désolé, j'aurais dû la suriner. Et qu'il pas faut tout simplement lui demander ce qu'elle veut. Je pense qu'il faut juste lui demander ce qu'elle veut. Elle sait qui on est, il faut juste lui demander ce qu'elle veut. Ok, quoi toi vouloir? Excusez-moi, Dame Signe, c'est bien ça. Votre importance et célébrité vous précèdent, notamment chez les guildes des marchands et même chez les mages. Je vous remercie. Mais de rien, un plaisir de traiter avec une personne telle que vous. Ah bah écoute, tu vois, alors, je me sers de l'information piquée dans ton cerveau pour ta flatterie ne passe pas. Ouais, j'avoue, on dirait, tu connais le corbeau et le renard. Elle ne passe pas inaperçue, mais c'est comme ça qu'on joue au jeu. Non mais c'est surtout... que tu vois presque un petit frétillement de sourcils sur son visage impassible. Elle n'est pas insensible à la flatterie. Merci. De ce fait, les informations que nous allons vous donner sont capitales et pourraient changer énormément de choses de cette ville. Ce que nous avons apporté dans cette pièce, c'est parce que nous savons qu'une personne telle que vous, du moins de la réputation que l'on vous octroie, est capable de faire le maximum de ces changements, d'en puiser, disons, toutes les ressources nécessaires pour accroître, disons, son influence... ou sa richesse, si c'est ce que vous convoitez. Mmh.
Bien, mais d'abord, avant toute chose, avant ce que il nous faut la apprêtons... flatter en fait, c'est ça pour que ça marche. Non, d'abord je lui dis que ce que je vais lui dire, moi traduire, moi lui dire Kael. Ça ressemble à quoi Théo qui fait des compliments? Moi lui dire Kael qu'avec information, moi lui donner, elle pouvoir accroître pouvoir et ou richesse. Tu vas comprendre? Ça serait trop bien, ouais, t'arrives à la travailler au corps et derrière nous on la baïonne. Mais ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est ça. Cancel. Je dis en lien mental, ce qu'il faut lui faire comprendre, c'est que ça ne lui coûte rien. Nous, ce qu'on demande ne lui coûte rien, vu qu'on lui demande juste de faire comme si elle ne nous avait pas vus, mais qu'en échange, ça peut lui rapporter quelque chose. Donc là, quelqu'un qui est dans le commerce, lui dire ça ne vous coûte rien et ça vous rapporte, c'est l'un des meilleurs deals qu'on peut proposer. C'est très rentable, tout à fait, tout à fait. Mmh. Bon, vous par contre, c'est pas... une occasion à saisir tout de suite. Voilà, mais c'est ce que j'ai dit. Vous n'êtes pas sans savoir que les intendants de cette ville possèdent probablement un artefact d'une puissance absolument innommable qui doit être retiré pour la sécurité de tous les royaumes environnants et de la balance du pouvoir. Balance du pouvoir de laquelle ils abusent par ce fait. Oui. Très bien. Le vide créé par un changement, disons, de gouvernance pourrait être une occasion inespérée pour un marchand affûté ou une marchande éclairée telle que vous. D'augmenter sa position et son pouvoir politique et matériel. Très bien. À savoir que de toute façon, quoi que vous fassiez, ces changements auront lieu. Ils auront lieu dans quelques instants, parce que même si vous décidiez de sortir et d'essayer de prévenir qui que ce soit, malheureusement, mes amis et mon ami ici présent vous en empêcheront, même si je ne doute pas de votre capacité à vous en défaire. Mais vous comprenez bien que ce n'est profitable pour personne, ni pour vous, ni pour nous, et surtout ni pour vous. Donc si je comprends bien, vous allez vous occuper de vos affaires, et moi, je vais m'occuper des miennes avec un élément supplémentaire, celui que vous venez de me livrer. Je vais être franc, dans quelques instants vont se déclencher environ deux incendies dans un endroit non civil de cette partie de la ville. La marée-chaussée sera un petit peu débordée, et il se passera que dans le centre de pouvoir de cette ville, il y aura une petite usurpation, une petite délestation, dirais-je, de l'artefact qui leur donne cet avantage politique sur toutes les églises et toutes les guildes marchands de la région. Suite à ça, j'ignore, parce que ça n'est pas mon métier, c'est vous la marchande, c'est vous les intrigues, je ne suis qu'un mage, voyons. Mais j'ignore comment vous pourrez vous en tirer parti, mais je suis sûr qu'une femme aussi intelligente que vous n'aura absolument aucun problème à tirer, n'aura absolument aucun problème à tirer parti de cette situation délicate. Est-ce que ça passe sans G? Parce que là, ça passe, j'ai speech. Hein. Ça passe, merci. Ça passe. T'as un bonus de 2%. Vas-y, tiens. De 2%. Je valide le très très bon roleplay, Bob. Et plus que merci. Ça, elle conclut là-dessus avant de quitter la pièce. Elle fait quelques pas vers Théo. Elle le regarde profondément dans les yeux, alors que Théo le regarde avec des yeux injectés de sang. Tu ne diras rien. Je crois qu'elle allait sortir en faisant « J'ai rien écouté !» Oh, elle dit « Écoutez, faites ce que vous avez à faire. Je vais faire moi ce que j'ai à faire, puis je sens que la fortune de ma famille va probablement gagner dans les temps qui viennent. Et à ce moment-là, il faudrait que je fasse transporter ma richesse ou une partie de ma richesse en lieu sûr. Donc si vous survivez à ce qui vous attend, je pense que j'aurai besoin de personnes de confiance afin d'escorter une partie de la fortune familiale. Avec grand plaisir. C'est vous pas avez la petite bien fille vu que du roi nos... du Nigeria ou un truc comme ça. Non, Mais avec... Attends, il faut la finir. C'est avec un extrême plaisir, madame. Vous avez bien vu que nos... disons, idéaux convergent, mais pas forcément nos méthodes. Cependant, tout ce que nous venons de vous dire n'est absolument pas gratuit. Il y a une chose à laquelle vous devrez vous tenir. L'information que, nous venons de vous donner doit être utilisée, certes, pour votre avancement, mais pas non plus au dépit de la population civile. Nous sommes des aventuriers, pas des terroristes. Non, mais quand je dis pas au dépit de la population civile, faut pas qu'elle commence à vous aider, bien sûr. Truc à péter, on y va. Non, je veux juste ajouter un truc, je vais juste lui dire, ne nous baisez pas. Fais-moi un test de social, s'il te plaît. Non, avec un bonus de tristesse dans le regard de Chine. Avec un bonus de 10. Non, mais le bon flic et le méchant flic, c'est normal. Il faut faire parler Braddock, là, je pense que c'est le Attendez. Social ou intimidation? Tu as un bonus si tu as intimidation, c'est présence. J'ai présence. Eh bien, vas-y. Et ça te met à combien? J'ai présence 25 plus social 45. Elle est pas très intimidable, hein, j'ai envie de dire, en même temps elle a des couilles. 30, ça passe. Le fait qu'elle fasse 3 têtes de moins compte. Tu vois qu'elle fronce les sourcils, elle... Eh bien, le message a l'air clair. Je ferai ce qu'il faut.
Tu vois qu'elle essaie de garder une certaine contenance et elle joint ses mains un peu de manière nerveuse. Vous avez confié votre confiance à la bonne personne. Nous n'en doutons absolument pas. Par contre, j'envoie mentalement à Théo, s'il te plaît Théo, fais un pas sur la droite et laisse-la sortir. Un peu plus et on va perdre. On va perdre le poisson. On peut la suriner maintenant. Ça serait... Oh, mic drop. Quand elle sort, je fais... Non, on la fixe tous les quatre sans cligner des yeux comme ça. Si elle se retourne, elle voit quatre personnes en train de la regarder comme ça. Voit le poids du regard des psychopathes derrière. Non, mais c'est pas ça, mais je veux bien comprendre parce que toi, t'as été là, t'as dit les avantages, ouais, etc. Moi, je dis, je suis là. Très bien, ça a très bien fonctionné. Moi, tu vois. Et ça a bien marché parce que t'as réussi ton jet et tout ça. Mais maintenant, laisse-la sortir, sinon elle va avoir l'impression d'être enfermée contre son gré. C'est pas bon. Ah, elle peut sortir. Donc là, elle commence à sortir, en effet. Accroche-patte. Et ouais, alors, ce qui est assez. Moi, ce que je remarque depuis deux épisodes, ce qui est relativement assez flippant, c'est que vous réussissez vos strats, vous mettez en place. Tu veux qu'on parle du pont. Non, mais je parle de deux épisodes. Donc jusqu'à maintenant. Dis-moi ça à moi, je suis mort il y a deux épisodes. Bon, je retire tout ce que j'ai dit. Je retire tout ce que j'ai dit, vous faites de la merde. Ouais, bon. Mais bon, du coup, elle y va. Ça c'est fait, impeccable. La porte se ferme derrière. Elle quitte la porte pièce. Se ferme sur elle et je dis « Hein, je suis sûr que nous ne verrons absolument aucune conséquence suite à cette action que nous venons juste d'entreprendre. Be aware. » Josias qui dit « Nous n'avons plus une minute à perdre. Je ne savais pas comment gérer cette situation. Vous avez réussi à la saisir d'une main de maître, messieurs. » Et je suis sûr que vous-même, vous saurez prendre toutes les opportunités qui se présenteront, sinon vous n'aurez jamais accepté de nous aider. Rendez-nous nos armures. Moi je fais des phrases de RPG. Résume. Dépêchez-vous. Voilà, messieurs, suivez-moi. J'ai un passage qui mène dans les souterrains. Par contre, il va falloir vous méfier parce que même si ces passages mènent directement vers la demeure des intendants, eux-mêmes sont assez sécurisés dans leur souterrain. Donc il va falloir jouer de prudence, messieurs. J'ai ouï dire du plan des incendies, de tout... enfin c'est bien ça, hein, vous l'avez oui, courant oui, de tout plan. Mettre le feu à la ville. Non. Et aux gens, si. À tout le monde, le feu. J'ai pris les mesures nécessaires, vos équipements sont ici, vous allez pouvoir vous préparer pour faire ce qu'il faut face à la guilde des intendants. On se connaît pas, vraiment, mais j'ai confiance en vous. Même si la rumeur prétend que vous foirez toutes vos strates. Je vais m'approcher de lui, lui mettre la main sur l'épaule en cherchant. Je ne vous connais pas, mais j'ai secret. Confiance en vous. Juste après, l'écran il coupe, t'as la ville en feu. Il s'apprête à se reprendre. Mon enfoiré. Je vais m'approcher de lui et dire, ami Josias, nous ne nous connaissons pas, mais comme je l'ai dit à Dame Signe, nos idéaux convergent. Menez-nous à votre passage secret. Suivez-moi. Moi, je vais j'ai dire, une question nous juste ne avant nous connaissons pas, mais croyez-moi, vous vous souviendrez de nous. Je voulais juste utiliser la connexion mentale. Je tout dire et rien dire. Pour demander l'avis de Crane sur tout ce qui venait de se passer, dis-nous tout. C'est un marchand de quoi? Parce que c'est ça, un intermédiaire. Qu'il a... C'est un grossiste. Un intermédiaire. Exactement. Oui, il n'a pas de stock ou des choses comme ça. Non. Parce que j'aurais bien demandé s'il n'avait pas justement des potions ou des choses comme ça pour rendre soit des points de vie, soit des points de psy. Et ça aurait pu soigner un peu plus Théo, lui rendre de la psy et qu'il aurait pu soigner juste. Je vais faire ça, je vais faire un test, vu que vous êtes en plus dans son magasin, chez lui, dans son QG, donc je vais faire un test à 80 ou moins. Vous avez le droit de demander différents matos. À chaque nouveau test, je vais retirer 10%. D'accord ? Donc, une potion de soin. Je fais un test de potion de soin. Oh, 2! Oh, succès! La caisse! La réussite critique sur la potion de soin, ça fait 10 litres! Hé, les gars! Le mec, il fait tomber le rideau, il y a une cuve à Bacta de Star Wars derrière, tu sais, avec un machin qui flotte dedans. Le truc pour les Saiyans pour se régénérer. Oui, c'est trop ça. Vous avez donc pas une, mais deux potions de soin. Donc, vous décidez qui les prend. Très bien. Est-ce qu'on peut tenter un autre item? Ce sont des potions qui sont faites avec de la poudre. Pour ceux qui connaissent l'alchimie, c'est fait avec de la poudre de gemme de pouvoir. Donc, vous voyez des petits scintillements à l'intérieur de ce liquide un peu fluorescent, phosphorescent. Si je sniffe la poudre directement, je peux regagner plus de PV? Non, mais tu as trouvé le monde autour de toi très très bizarre. Non, mais tu auras une nouvelle aptitude. Ça s'appelle le cancer. Mais malheureusement, ça deuxième test, messieurs. Potion de psy?
Encore plus de potions de soins. Alors, potion de psy, une potion c'est de, vous choisissez rare. Soit deux potions de soins, soit deux potions de psy, soit une potion de psy et une potion de soins. Bah tout dépend combien, qu'est-ce que ça fait une potion de soins? Parce que qu'est-ce qui est le plus intéressant pour Théo? Est-ce que ça fait un des six de soins? C'est quoi cette besace limitée? J'en bois une et pour tester. C'est ce que je veux. Oui. Bah tu bois laquelle? Bah du coup vous décidez. Bah, potion de soins, potion de soins, je bois la potion. Déjà j'ai une potion de soins. On va. Très bien. Hop là. Ça t'apporte un dé de 6 plus 4 dés vie. Oh non mais. attends, tu bois pas la deuxième. 6 plus 4, ça fait de 4 enfin de 5. J'ai fait une réussite critique, j'ai fait une réussite critique, c'est vraiment le c'est vraiment l'item, tu vois, c'est toi qui le tire ou c'est moi? Vas-y, tire-le. D'accord. Je vais faire peur. J'ai fait une réussite critique là où j'aurais pas dû. Ouais, 6 6 Oh là là. Allez, vas-y, t'es full. Oh le sensu quoi. Ouais. Le mec, après, il boit pas la potion, il mange la fiole. Avec le petit fond de sensu. Moi, je pense qu'on va prendre deux potions de soins et la garder de côté. Hein. C'est très très violent. Quand oui, même. Oui, non. C'est très très violent. Ouais, ouais, ouais. Tant pis pour la psy de Théo, je pense. Ouais, c'est pas la priorité. Je dirais ça quand vous serez mal en point. Bah quand on sera mal en point, on aura une potion de soin. Et si jamais Chine ou toi-même te retrouves encore une fois avec 6 coudes de métal dans le bide, cette potion pourra te sauver. Oh, attendez, on a le droit à potentiellement un deuxième item là. Oui. Il faut réfléchir, c'est très important. Est-ce que vous avez le codex des intendants? 70 coudes de codex. Un parchemin de résurrection. Alors, moi j'aimerais demander être raisonnable s'il a de la corde. Ouais, non, très bien. Une corde en excellente qualité. Je fais un test. Écoute, si t'as pas d'autre idée, t'as pas d'autre idée. Des flasques d'huile ou quoi? Il y a 70, 42, c'est bon. Je fais 40. Sur 70, des potions inflammables donc, à la rigueur. Messieurs, vous notez cool. L'équipement que vous avez, c'est pas à moi de vous le rappeler. Donc si vous ne l'évoquez pas, ça sera dans votre. D'accord. Vous avez fait deux demandes, vous n'en avez plus que deux. Car on va considérer que vous en avez qu'une seule par aventurier. Vous êtes descendu à 60%, donc dites-moi si vous avez une troisième demande. Et quoi? Une fiole de poison pour les flèches de Chine. Ah, en plus, là-dessus, ce qu'il va pouvoir faire, Chine, c'est qu'il va pouvoir la cristalliser son poison en même temps qu'il va générer l'eau pour générer ses donc flèches. Donc en fait, ce sera à moitié de la flotte et du poison. Voilà. Quel est le but d'avoir une flèche de poison, excusez-moi Bah, le but, c'est que du coup, ces flèches sont complètement létales ou paralysantes. On sait pas à quel poison il va nous donner, ce gland. Bah, mais ça veut dire que s'il touche... Quand ça tranche la gorge, c'est létal aussi. Mais oui, mais il les touche jamais. S'il touche, là, c'est létal. Moi, je veux pas de poison. Vous avez pas empoisonné le fuyant, non? Non, moi, je veux des gemmes de pouvoir. Je veux tout faire péter, moi. Moi, je suis Stallone dans Rambo 2. Je veux les visser. Décidez-vous. Vous êtes en face du dragon magique qui était invoqué. Faites votre demande. Dépêchez-vous. Une culotte. La fiole de poison. D'abord, la fiole de poison, et ensuite, on verra. Parce que je veux pas du poison. C'est à Chine de valider. Chine, tu valides poison ou tu demandes des gemmes de pouvoir? 3, 2, 1. Je veux des gemmes de pouvoir. Très bien. Il veut des gemmes de fou. Eh ben non. 72, bah non. Voilà. Eh ben voilà. Bah voilà, bravo, bien joué. Très bien. Voilà, tu l'as cassé. C'est votre faute. Une seule demande, maintenant. Allez, vous avez qu'une seule demande. Bon. Ah. Il a pas de gemme de pouvoir. Est-ce que nous, du coup, 50. Grenlec, on demande du poison? On va demander la fiole de poison. Ça peut être utile. Vous allez la boire. Pour toi, hein, je suis sûr que tu peux la mettre sur ton poing. Et si jamais... Attends, il peut la mettre sur son poing, Grenlec, et si jamais il touche avec son poing, Grenlec, en fait, il est mort. 91, voilà. Mais il en a pas non plus. Vous. Voilà. C'est en plus, et là, 96, il reprend la fiole. Très bien, vous avez votre équipement. Il vous mène à une pièce arrière qui se trouve ici. Messieurs, à partir du moment où vous allez vous retrouver sous la demeure des intendants, vous ne serez plus que soumis à vous-même, aventurier. C'est une manière de nous dire que c'est le dernier point de sauvegarde. Ouais, c'est ça, ouais. Attention, les événements vont s'enchaîner. C'est ça. Ouais, c'est ça. Messieurs, vous avez traversé les souterrains grâce aux indications de votre allié Josias. Vous avez désormais votre équipement à full. Vous êtes complet, armure, ego, bâton, sort ou presque, point psy, PV, grâce à la réussite critique de la potion de soins. Et du coup, vous êtes à full côté vie. Et de ton côté, Théo, tu as retiré ton désavantage, notamment grâce à la potion de malade. Dû à la réussite critique, vous êtes arrivé sous la demeure des intendants, vous êtes soumis à de nouveaux dangers peut-être.
faites-moi un test d'observation, s'il vous plaît. Bon, c'est malin, on n'y voit rien. Je vais passer, vas-y, au lieu de te lâcher. Je vais passer devant, du coup, vu que j'ai la lumière. Je vais retomber, je vais remourir. You died. C'est où, c'est Dark Souls, c'est le chevalier dans Dark Souls. Théo, t'es devant, fais-moi tes observations, s'il te plaît. 85, je vois. Tu veux la lumière. Oh. Alors, je suis bien, Théo. Je marche à côté de Théo quand même. Et 42, par contre, moi, ça passe. Ça très bien. Grandlek, toi tu as la vue naturelle dans l'obscurité, Théo tu as la lumière parce que t'es censé être un paladin de la lumière, Bob tu génères des flammes. Et j'ai une question, je génère des flammes, mais effectivement l'autre il me traite de yeux de chat, mais à part m'éblouir parce que l'autre il me défonce les yeux avec son espèce de lampe gigawatt dans ma face, hein monsieur j'ai une armure et que je me permets de briller dans les endroits où c'est l'obscurité totale, est-ce que ça me donne un avantage ou un bonus quelconque ou non ça te donne... un avantage éventuellement de, d'intimidation devant des canidés, mais à part ça... Ok, bah... Très bien. Donc du coup, alors, qu'est-ce que tu fais, Bob? Tu allumes quoi? Tu fais un peu comme à la Gandalf, genre tu allumes le bout de ton bâton avec les flammes? Ah oui, bah bien sûr, évidemment, c'est le premier réflexe. Et du coup, je vais quand même rester en arrière, mais je vais je vais surtout être prudent des poteaux. Parce que si eux ils passent par le centre, moi je vais regarder quand même un petit coup à droite avec le bâton pour voir s'il n'y a pas grand chose, un scorpion, une saloperie, j'en sais rien. Test d'observation. Deux. Il y avait un scorpion, mais je le brûle avec le bâton. Putain, saleté. Je le savais, toujours des scorpions derrière les poteaux ou des orques. Que voient vos yeux de chat, Balthazar? Shin, tu fais un test s'il te plaît. Moi aussi, je suis dans le Mordor. Je vois, il y a des gens autour de moi. Je sens la présence d'un homme. Vous êtes alors... là. Je vous entends pas. 14. 14, ça va. Non, ça va. Oui, que Théo. Très bien. Oui. Donc, voilà, du coup, pas la lumière, tu avances. Au dernier moment, prévenu par Grand Lake et Shin, ils t'avertissent, il y a une échelle devant toi. Donc, au dernier moment, toi, par contre, tu remarques quelque chose, Bob. Les autres, retirez vos casques, s'il vous plaît. Ah, la beauté du succès écrit. Tu passes, je te laisse déplacer ton token, s'il te plaît, jusqu'à le déplacement de pilier. Et tu remarques, tu sais, je vais pas montrer avec les flèches, je vais pas montrer avec les indications de ping, mais tu vois l'armure qui est contre le mur. Je la vois. Eh bien, il y a des émanations un peu comme si tu voyais l'horizon dans un désert un peu flouté dû à la chaleur. Là, tu remarques, tu sais pas pourquoi, t'as un moment d'observation, tu remarques une sorte d'émanation magique. C'est cette armure est imprégnée de magie, d'énergie, de psyché. Alors, elle est envoûtée. C'est un golem, enfin, façon de et parler, elle c'est est une immobile. Ambiance. Je demande aux autres, du coup, de remettre les casques. Alors Théo, stop! Ne descends pas l'échelle, ne bouge plus! 3, 2, 1. Suite à cette réflexion, je te demande, Théo, un ultime test d'observation. Par contre, avec un malus de 20, parce que tu as loupé ton test d'observation. Moi, je peux pas. Mais je suis juste à côté de Théo. Je peux pas attraper Théo. 14. Ah, 14. Ça fait plaisir. Tu m'arrêtes. T'arrêtes au dernier moment. T'entends un crissement à ta gauche quand tu te retournes suite à la prévention de Bob. Tu vois qu'il y a un mouvement au niveau de l'armure qui est enchâssée dans le mur.